Hey, salut tout le monde, c'est quoi Moengus et bienvenue sur Pro Cycling Manager 2015 pour la carrière suivie Team Arkham Pro Team Aeroflot. Nous sommes le 1er mars 2018, un petit bond d'un mois entre la dernière fois. Entre la vidéo de la dernière fois et aujourd'hui. Aujourd'hui ce sera donc Kuurn, Bruxelles, Kuurn. Des pavés. Les premiers pavés de la saison, alors certes ce sont des petits secteurs, hein, vous allez voir tout de suite. Voilà, c'est trois micro-secteurs, enfin celui-là il est intéressant, mais bon voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est du sprint en gros, hein, mais bon, on m'a dit comme ça, les pavés c'est bien, j'adore en plus moi aussi les pavés bien entendu, je les montrais pas la dernière fois car j'avais pas d'équipe pour, donc voilà, mais maintenant que j'en ai une, bah voilà. Qui sera présent? Eh bien pas grand monde hein, au final. Il y aura Florence Sénéchal tout de même qui sera là, mais bon voilà. Il y aura Springer, je ne le connais pas. Jürgen Rollins, bien sûr. Il y aura Maurice Kökeler, Kerkhoff, excusez-moi. Enfin bref, il n'y a pas grand monde hein, sur cette course. Voilà. Bon. J'espère. Ouais. Moi en tout cas, j'amène Van Poppel, Alaphilippe, Christophe, Izaguirre, Demar, Chagan, Finet et Van Mark. Autrement dit, une équipe de tueurs. Toujours en extrême, mais bien entendu, les amis, je ne change pas, ça ne changera jamais. Je vous l'ai dit, je ne vous mange pas, je suis honnête. Vous me faites confiance, je l'espère, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Donc voilà, putain, je vous le montre à chaque fois. Alors, je ne vais pas vous le montrer à chaque fois non plus, hein, mais bon. On va dire que maintenant, les choses sérieuses vont commencer, car nous entrons au mois de mars, et là, les classiques, le Paris-Nice, Tirreno, les grandes courses arrivent. Et là, par contre, il y aura de la concurrence, il y aura du lourd et un extrême. Je vous le dis, comme je le pense et comme je le sais, je vais en baver, je vais en chier. Et là, 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 là. Excusez-moi, je vais en chier, ça m'a donné envie de... Bref, allez, c'est parti. Kuurn, Bruxelles, Kuurn, Kuurn, Kuurn. C'est parti, let's go. Les premiers pavés de la saison. Oh oui. 37 km de l'arrivée sur ce Kuurn, Bruxelles Kuurn. Oui, non, je ne vous ai pas montré avant, car honnêtement, ben, il se passe rien avant. Hein. Voilà, il y a une échappée qui est devant, avec Yannis Aguirre derrière qui n'a plus le bidon, le pauvre, oh, il a soif. Voilà, donc après, ça, c'est pas grand chose, hein. C'est pas non plus. Enfin, voilà quoi, hein. C'est pas non plus la super grosse course passionnante, hein, que Bruxelles Kuurn. Pour vous dire que, ben voilà, vous voyez des notes, hein, moins 3 pour Christophe. Ce sera Peter Sagan, je pense, du coup, qui sera mon sprinter. Il suivra Christophe, qui suivra Arnaud Demar, qui suivra Alaphilippe, ou Van Poppel, non, parce qu'il a moins 3, et Dieu qu'il n'est pas super en forme, voilà. Enfin, qu'il n'est pas super, enfin, c'est pas mon leader, quoi. Donc, bref. Allez, 29 bornes, oui, donc le coup, la vidéo sera courte, hein. Vous le savez maintenant, de toute façon, voilà. Ne vous inquiétez pas, bientôt, il y aura les courses passionnantes, les courses World Tour seront là, il y aura de la grosse concurrence. Ne vous en faites pas. J'allais dire, ne vous en faites pas, mine. Oui, non, excusez-moi, je n'ai rien dit. Donc, ouais, Peter Sagan, il n'est pas super en forme, Peter Sagan, hein. Ouais, mais bon. Enfin, je vais par rapport au jeune, c'est pour ça que j'ai ça. Il est pas. Christophe est mieux, mais Christophe a moins 3 quand même. Alors, je ne sais pas qui est présent en tant que sprinter, mais il ne doit pas y avoir grand monde quand même. Bon. Donc, ça. Ouais, et puis on suivra Finet aussi quand même. Et puis Van Poppel, il suivra quand même Peter Sagan pour éviter qu'on prenne trop ma roue et qu'on me suck. Je n'aime pas trop que l'on me suck. Enfin, ça dépend qui, mais. Bref, excusez-moi. 22 km de l'arrivée, là c'est un tour, hein. C'est un, voilà, un tour que l'on va faire plusieurs fois, ça se fait 1, 2, ouais, ça 3 fois, 3 petits tours dans Kuurn, 3 petits tours et puis s'en vont. Voilà donc Sagan qui se prépare à suivre Alexander Christophe, alors qu'il est aguerré et à out et HS. Ça roule fort là bien sûr, hein, Giant. Non, il n'y a pas Kittel, je pense pas Kittel soit là. Non, je n'ai pas regardé, je m'en fous. Je m'en fous de Kittel de toute façon. Allez, c'est parti, Christophe. Donc, qui dit que je suis Arnaud Demar, j'ai dit. Hop, Arnaud Demar qui suit Alaphilippe. Alaphilippe qui suit alors Finet. Et Van Poppel qui va quand même suivre, comme je vous l'ai dit, Peter Sagan.
Et Tyler Finney qui va pouvoir rouler dès maintenant. C'est parti, Tyler, mets-toi à droite de la route, s'il te plaît. La FDJ, poussez-vous, barrez-vous, je suis là. Alors j'aurais pu mettre la Philippe avant, après Arnaud Démare, car c'est vrai qu'il n'est pas en pleine forme. Vous voyez, au niveau de la barre jaune, Démare n'est pas super en forme, mais bon. Allez, en tout cas, notre train est parti. Ouais. Alors sincèrement, là, ouais, bon, oulala, ça attaque, là. Ça attaque. Non, je ne vous le dirai pas que j'ai besoin de temps x2. Non, je ne vous le dirai pas. Mais bon, là, les gars, si vous croyez essayer de nous avoir, là, bah oui, non, là, c'est quand même Tyler Finney qui roule. Hop, là, on esquive tout ça. On esquive ça, j'ai dit. Hop. Allez, 8 km de l'arrivée. À la Philippe. Ah oui, on est mal, elle est quand même bien, HS. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ouais, oh là 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 là. Ça bouge, oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais t'es sérieux là? Oh là 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 là. Il se passe n'importe quoi. Là 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 là. Là, je dois vous dire que c'est n'importe quoi ce qui se passe. Hop, là, j'ai le pour tout le monde. Du coup, ouais, toi, tu vas suivre. Ouais. Tu vas suivre à la Philippe, du coup. Hein, ouais. Allez, on lance le sprint. Christophe, lance le sprint, s'il te plaît, pour Peter Sagan. Ouais, ça bouchonne, ça bouchonne. Je le sens pas, là. Je le sens pas. Allez, Peter, allez. Ouais, non, si c'est bon, Peter, allez, fais pas le con. Ne fais pas le con, Peter Sagan. Et Peter Sagan, ne fais pas le con. Et ben, c'est parfait. Victoire de Peter Sagan devant Kenny Bowen, hein, quand même du 84 en sprint quand même, ah ouais. Tunes, 80 sprint, Christophe est là, si il y a quand même du monde, hein, j'ai même pas fait gaffe. Mais oui, ben, il est content, Alaphilippe, il est, c'est normal. Bien emmené, parfait, Peter Sagan, victoire. Sir Cam Busselkern, et quand même Bowen, Tunes, Christophe, Killer, Killer, excellent. Bon, ça serait pas de la même façon, mais bon, c'est pareil. The Punk, excellent aussi. Van Aert, Alaphilippe, Démare et de moitié. Bon, et ben on enchaîne les victoires, c'est parfait tout ça. Le tout en extrême, hein, je vous le rappelle. Quel est bon, 84 en sprint, hein, waouh. J'avais pas vu qu'il était là lui. Ben, forcément, ils avaient mis des principaux par rapport au pavé. Ce qui est ridicule, vu que c'est pas une course. Enfin, c'est une course pavée, car oui, il y a des pavés, mais vous avez vu le secteur qu'il y a, franchement, c'est. Non, c'est du sprint, c'est tout, quoi, voilà. Mais bon, comme il y a des pavés, ben, ça met que c'est du pavé, c'est logique. Voilà. Alors, comme Sagan, la particularité, c'est que c'est toujours très long à attendre. Ah, c'est bon. Victoire, en tout cas, pour Peter Sagan, bien joué, Team Macam Pro, bien joué, bien emmené, hein, Peter. J'ai failli merder, hein, j'ai eu un peu peur à un moment donné, là, mais c'est bon. La victoire est là, la victoire est au bout, et ça fait du bien au moral. Le Het Nieuwsblad, oui, il y aura le Omloop Nieuwsblad bientôt. Je vous le montrerai, bien entendu. Voilà les amis, sur ce, alors oui, ne faites pas gaffe à mes finances, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Bientôt, donc après le Samin, peut-être le Stade dei Bianchi, et après, bien sûr, le Paris-Nice. Le Tirreno Adriatico. A noter que ce seront deux vidéos différentes. Hein. Il y aura une vidéo Paris-Nice et une vidéo Tirreno. Waouh! Grosse étape. Voilà. Et après, il y aura bien sûr les Milan San Remo, le Tour de Catalogne. Il y aura toutes les courses World Tour. Voilà. Toutes les courses World Tour. Je les jouerai toutes. Voilà. Et peut-être d'autres petites là, de temps en temps, pour me reposer un peu, des petites courses d'un jour. Car vous savez que comme je montre tout, je fais toutes les étapes en une seule vidéo, ça prend du temps, ça me fatigue. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je risque d'être très 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 fatigué dans les 15 prochains jours. Et j'aurai peut-être une semaine de repos et après, bah, ça sera parti pour... voilà, donc, bon, bref. Sur ce, les amis, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite des aventures. Sur le mode, pour le mode, oui, enfin le mode Team Arkham Pro, le mode carrière suivie, le mode Team Aeroflot, le mode quoi, moi, Angus, le mode ce que vous voulez. Je suis déjà fatigué.
Allez, ciao tout le monde et à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye.